Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler encore une nouvelle fois de Slime Isekai Memorize, les amis. On a un nouvel événement, mais ce n'est pas tout. On aura également une nouvelle maintenance mise à jour qui sera disponible dès la semaine prochaine. Regardez par vous-même, ils l'ont annoncé sur Twitter. Alors, la nouvelle version sera disponible le 15 novembre et elle fera environ 2,4 gigas. C'est pas mal. Maintenant, on va aller découvrir le nouvel événement, les amis. On est ici, on démarre le jeu. Comme je vous dis, on n'a pas le temps, on va rush très rapidement. J'ai déjà parlé des deux informations qu'on a eues. Et là, on va découvrir le nouvel événement. Je découvrais en même temps que vous, pour le moment j'ai encore rien vu, j'avais vu qu'ils avaient fait une annonce ce matin. Mais sans plus, je ne me suis pas trop attardé là-dessus pour pouvoir le découvrir avec vous en vidéo. Et c'est mieux ainsi, comme ça on lit un peu tout ce qui est, tout ce qu'on pourra drop. Enfin, presque tout parce que on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Je dois sortir dans pas mal de temps là, j'ai quelque chose à faire. Sur ce, enfin, ça serait bien que tu marches, s'il te plaît, Slime. Voilà, là, on a la petite mise à jour à faire de 140 mégabits pour le nouvel event. Et là, on va découvrir un peu ce qu'ils vont nous donner pour cet event. J'espère qu'il sera meilleur et qu'il sera pas autant redondant que celui de Diablo parce que on va pas se mentir réellement. Ça va être celui de. En fait, il est bien, mais c'est trop répétitif. En fait, on a bien à côté monter nos personnages. Parce qu'en soi, on gagne que des ressources pour améliorer les équipements. Ou pour faire des équipements. Mais on gagne pas l'équivalent des ressources pour augmenter les personnages. Mais en vrai, ça va. On va dire que dans l'ensemble, ça va. Si je le noterais sur 10, ça serait un petit 7, voire 8 sur 10 l'événement. Et ce qui est bien, c'est qu'il reste un mois. C'est pour ça que je mets un petit 8 sur 10. Du coup, la mise à jour, c'est terminé. On va découvrir ce nouvel event. C'est bah, très cool que ça arrête de faire des screens comme ça, des black screens. Ok. On va dans event. Ouais. Oh, par contre, lui, il reste 15 jours. On aura la possibilité de maxer, a priori, cette millim, la millim Nava, qui est de type. Attendez, on va les récupérer tout simplement. Je pense qu'on a le perso. Non, même pas. Ok. Je pense qu'on a le perso de base avec les invoques et tout. Alors, elle est où? Doit être quelque part. Que c'est elle, ouais, c'est elle. Du coup, on aura la possibilité de monter ce personnage. De toute façon, pour ma part, j'avais déjà réussi à avoir deux doublons sur le personnage. Ça va me faciliter la tâche. Pour ceux qui sont pay to fast, ceux qui payent les cash players, eux auront déjà la possibilité derrière de monter l'unité au max, vu qu'ils ont dû poser plus de 500 euros, plus de 200, 300 euros. Et comme des joueurs comme Cetine qui ont posé plus de 1000 euros, eux, je pense qu'ils auront déjà l'unité niveau 100 très, 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 très rapidement. Du coup, on est ici. On repart dans l'événement. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on montrera ceux qui ne l'ont pas encore fait, mais ceux qui l'ont fait, ils me diront en commentaire ceux qui sont déjà en expert, vu que normalement c'est un truc assez rapide. Normalement, le nombre de doublons, vu qu'il n'y a pas de magasin à proprement parler pour le personnage, pour les ressources et tout, le nombre de récompenses de doublons sur le personnage doublera, voire se décuplera et tout. Et par la suite, on pourra monter le personnage niveau 100 facilement. Sur ce, les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous dis ciao, à la prochaine. Dites-moi en commentaire. Si parmi vous, il y en a qui ont déjà monté niveau 100.
Peace et prenez bien soin de tout le monde. Ciao!